Tous de monsieur, voilà. Bienvenue en oligarchie. Bienvenue en France. Aujourd'hui, je vous propose une randonnée du côté, dans les bois, dans les prés. Je chante pas bien, mais du côté de nos gens. Enfin, voilà quoi. Donc, on va se faire une petite balade. Il y a Gégé qui est avec moi, puis Lady, Natacha qui nous accompagne. Donc, c'est notre chauffeur, notre taxi. Donc, bah, écoutez, c'est pour vous. Salut tout le monde. Bon, Gégé, tu nous emmènes où? C'est toi ou moi? Là c'est toi, parce que moi je sais pas où je vais. Tu sais pas où? Allez, c'est parti. On s'en va par là. Il y a une abeille à côté de Gégé, elle est énorme. C'est une abeille. Bon, je vais pas trop m'en occuper. Je sais pas si c'est une africaine, j'en sais rien. Donc je me trouve entre Liercourt et Upi. Et là il y a une croix comme ça, elle est belle. Je sais pas du tout pourquoi elle est là avec un coquillage. Il a été mis il y a pas longtemps ce coquillage là. Enfin voilà pour le chemin. Voilà. Un petit coin tranquille. Hein. Donc aujourd'hui dans ma vidéo je vais aborder certains sujets que à la base je n'aborde jamais. Parce que ma chaîne YouTube n'est pas fait pour ça, mais je vois tellement d'incohérences actuellement, je parle du Covid-19, que je vais aborder les sujets avec vous, puis vous expliquer ce qui m'exaspère. En sachant très clairement, et j'insiste là-dessus, je respecte la conviction de chacun, que ça soit très important. Voilà, que vous le sachiez. Allez, je vous emmène, c'est par là que ça se passe. Donc, parlons du Covid. Je vous expliquais un truc. On sait que le Covid-19, le virus, le coronavirus, son enveloppe charnelle est faite de lipides. Donc, juste derrière moi, vous avez ce qu'on appelle un champ de lin. On utilise le lin pour faire des vêtements, du tissu, je vais essayer de m'expliquer. Et on l'utilise aussi pour ces graines qu'on écrase pour extraire l'huile de lin. L'huile de lin qui est extrêmement bonne en oméga-3, qui est bonne en je sais plus le nom exactement, en insaturé. C'est-à-dire que sa graisse, c'est son huile, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, son huile au contact des graisses, au contact des lipides, elle se dissout. C'est-à-dire que très clairement, si vous consommez de l'huile de lin, quelque part, je pense que ça doit nous protéger des coronavirus. Pour une raison qui est simple, c'est que le coronavirus en enveloppe charnelle est constitué de lipides. Et l'huile de lin, comme l'huile de noix d'ailleurs, comme sont riches en je ne sais plus le nom, c'est une fameuse insaturée, et bien automatiquement, à ce contact-là, les lipides se dissout. Il faut le savoir. Fais gaffe au-dessus de ta tête, Gégé, pas te le prendre dans la tronche, celui-là. Donc Gégé, il admire le paysage. Donc il faut savoir que là-bas, au fond, je vais zoomer dessus, sans trop bouger la caméra, c'est le relais téléphonique des Monts de Cobert. Et juste en face de moi, vous avez la vallée de la Somme. Et ouais, là on se fait un petit mix. Vallée de la Somme, faire une petite balade et je vais payer une petite bière à la commune de Long à Gégé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde pour que je puisse y aller. Parce qu'à partir du 21 juillet, Gégé, tu pourras plus aller boire une bière dans un café. Ça ne me dérange pas. Parce qu'il n'aura pas son passeport vaccinal. Oh le vilain! Et moi je serai vacciné. Non, en fait, je suis en train de vous faire de l'humour. Clairement, jeudi 22, j'ai rendez-vous pour me faire vacciner avec le vaccin Pfizer. Bon, je leur fais pas de pub, hein. Donc je le fais à contre-cœur, je vous dis à contre-cœur, je vais pas être poli, ça m'arrache la gueule de me faire vacciner. Mais moi qui suis au SMIG et qui travaille pour une très grosse multinationale de restauration rapide qui fabrique des burgers, je vous dirai pas son nom comme il y en a plusieurs. McDo. Ah, il l'a dit, McDo, bon bah je bosse pour McDonald's. Donc McDo n'y est pour rien, hein. C'est pas de leur faute, hein. C'est le gouvernement. Hein. Donc Emmanuel Macron ne nous oblige pas, nous, en restauration, à nous vacciner, sinon c'est le test PCR. Tous les deux jours, alors je vais s'imaginer où en octobre il rembourse plus, mais indirectement il fait comprendre à tout le monde que si on se vaccine pas, eh bien on peut pas aller dans les magasins de plus de 50 trucs, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. En fait c'est du forcing, pour moi c'est du forcing, ça me donne envie de vomir. J'aurais jamais cru qu'un jour on en arriverait là. Je respecte ceux qui se vaccinent et ceux qui se vaccinent pas. Chacun sa conviction, hein. Après tout, si les vaccinés, ils ont peur de ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est parce que votre vaccin ne fonctionne pas. Et en même temps, moi, j'ai du mal à faire confiance à des laboratoires qui sont en procès encore à l'heure actuelle, comme pour le problème du Mediator. Voilà, je vous donne un exemple. Et des exemples, je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Bon. Fille devant. Hein? Un chevreuil. Il va traverser peut-être. Il y a un chevreuil? Il faut qu'on avance. Ah, il y a un chevreuil. Je vais faire une petite pause, il dit que c'est là, je vous mets en route. Il vient de passer, je voulais rater. Il était là juste sur la droite. Je l'ai raté, j'ai mis son pot, je l'ai raté. Comme un gros blaireau. Il est rentré là sur la droite.
Voilà. Voilà. Donc je termine mon explication sur le vaccin. Donc je suis en colère parce que c'est un vaccin qui n'a pas assez de recul pour moi. Donc je vais m'injecter quelque chose, c'est une violation de mon corps. J'accepte indirectement, j'ai pas le choix. Donc que vous dire d'autre. Ça me fait de la peine. Franchement, le monde n'y est pour rien. L'humanité dans laquelle on vit me fait beaucoup de peine. Donc ce qui est pour mon patron, j'ai rien contre lui. Malheureusement, vous imaginez qu'on menace mon patron de mettre une amende de 48 000 euros s'il m'accepte au travail à partir de septembre, si je suis non vacciné, si j'ai pas un test PCR de moins de 48 heures. Voilà, en fait, on met le couteau sur la gorge aux citoyens, on met le couteau sur la gorge au patron. Si on était tous solidaires, mais vraiment liberté, égalité, fraternité, parce que ça n'existe plus, on est en oligarchie. Donc définition du mot oligarchie, ce qu'il y en a, ça pas ce que ça veut dire oligarchie. Démocratie, c'est-à-dire que le peuple élu un délégué, comme le président, il est notre porte-parole, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir des référendums pour décider, c'est le peuple qui décide. C'est ça une démocratie. Une oligarchie, en fait, c'est une petite minorité, une toute petite minorité, paf, que j'écrase du pied, hommage à Louis de Funès, parce que j'ai piqué son truc. Donc, qui décide pour vous, c'est-à-dire qu'il ne vous demande pas votre avis, il décide pour vous, il vous claque des 49-3, comme beaucoup de personnes ont voté non à la Constitution européenne, et l'ont passé quand même. Donc en fait, voilà, c'est ça, une oligarchie. Donc j'en dis pas plus, maintenant on va continuer la randonnée, et regardez ce qu'on peut croiser, comme jolie fleur, c'est magnifique. Eh oui monsieur, voilà, c'est un volcan, il parle de plein de sujets, et ce sujet-là m'agace. Là, je me trouve dans Mareuil-Caubert avec une petite fille qui est indisciplinée. Regardez. Il y a des voitures, mais non, Lady, c'est... Lady, par là, Lady. Bon. Il faut peut-être pas te passer. Donc, je continue parce que moi, ma randonnée, ma vidéo, elle est faite pour ça. Donc, j'ai cru comprendre que tous ceux qui sont des forces de l'ordre n'ont pas l'obligation de se vacciner. Parce que c'est des forces de l'ordre. Moi, je pense savoir pourquoi il y a cette manipulation-là. Attention, ce que je dis ne regarde que moi. Je vous le dis encore, je respecte la conviction de chacun. Je pense que si demain on obligeait la police, la gendarmerie à se vacciner, en sachant que dans l'eau, il y en a quelques-uns qui ne seraient pas d'accord, donc le gouvernement aurait ses propres forces de l'ordre contre elle. Vous imaginez le gros bordel que ça foutrait? Il y a aussi nous, les citoyens. On est tous des citoyens, quelle que soit notre profession. Donc, on aime bien le matin sortir d'aspirateur, aspirer sa voiture. J'ai croisé une dame qui le faisait. Un autre monsieur qui faisait sa maçonnerie devant pour son mur. Un autre monsieur qui préparait des tasseaux de bois pour faire je ne sais quoi. En fait, on a tous notre petit confort. On a notre petite maison, on a tout ça. Et on a tellement peur de le perdre. Parce que moi, je suis menacé de perdre mon salaire en septembre si je ne suis pas vacciné. Vous imaginez, ou si je ne fais pas des tests PCR à 48 euros le test, il me semble, qui vont tuer ton bourse en octobre. On a tellement peur qu'on accepte tout. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est la masse, c'est nous. Mais j'ai honte parce que le premier, je sors pas dans la rue. On a pris les réseaux sociaux comme exutoire, la preuve, c'est ce que je fais. Mais c'est seulement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que on manifeste, on donne de la voix seulement dans le virtuel, pas dans la réalité. C'est pour ça que ça bouge pas. Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au bide de vous dire ça, mais même moi, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. On est dans un joli petit coin là qui est magnifique. On a des pêcheurs. Je filmerai pas leur visage, par respect. Le coin, il est vraiment beau. À ceux qui pensent que Jack Russell a pas d'énergie fifi, eh ben, je vous garantis que c'est, c'est une boule de nerfs, Lady. Donc là, les circuits sur lesquels je me trouve. Je sais pas si vous apercevez la tache blanche qui est là-bas à mon doigt, regardez bien, je vais zoomer dessus. C'est une cigogne. Il se peut que certains d'entre vous concernant le Covid-19 vont me dire oui mais toi t'as pas eu des cas dans ta famille, si j'en ai eu. Il y a des morts et tout ça, oui je le sais. Donc je voulais juste vous passer ce message, c'est que le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre. Ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionne pas forcément chez l'autre. Parce que vous, par exemple, vous n'êtes pas intolérant aux noix. Il y en a d'autres qui sont intolérants aux noix, ça peut les tuer. Voilà, c'est ça que je vous ai expliqué. Donc, moi, par exemple, je suis extrêmement sensible à la sinusite. Il y en a parmi vous, je suis sûr, qui ne sont pas sensibles à la sinusite. Ça ne vous fait rien. Moi, une sinusite peut me tuer. Quand j'étais enfant, j'ai fait un début de sinusite, j'avais 16 ans, qui est en train de tourner en méningite. Heureusement pour moi, c'était que bénin, mais je vous garantis que ça fait mal. Ça fait mal dans sa tête.
Donc d'autres vont être sensibles à la grippe, toutes sortes de maladies. Donc le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre. Moi par exemple, une grippe, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai jamais attrapée. Peut-être que vous, la sinusite, même chose. Très clairement, ce que je veux vous dire, c'est que vacciner à volo les gens comme ça, sans se renseigner sur leur santé, sur leurs intolérances de tel ou tel produit, c'est criminel de faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai une petite question pour toi quand même. Toi qui ne veux pas te faire vacciner, t'as tes convictions, je les respecte, et parce que moi je suis comme toi, je le fais par obligation parce que j'ai pas le choix. Pour aller dans les magasins à plus de 50, comment on dit, 50 personnes, c'est ça? Tu vas faire comment pour faire tes courses? Tu vas plus? Non, j'ai une supérette à côté de la maison, ça me suffit. Supérette, sinon tu peux faire le drive? Ouais, le drive. C'est... Voilà, donc voilà les petites idées pour pas vous faire avoir, vous pouvez aller commander en drive. Et puis pour ce qui est de boire une petite bière? Dans les bars, ouais, ça va être compliqué. Alors moi, par exemple, on sait que jusqu'au 2 août, boire de l'alcool hors, en dehors des bars, et des, enfin des bars, on va dire en général, vous avez compris, c'est une amende de 135 euros, donc là, je suis en randonnée avec GG. Je me suis pris un petit coup de vin rouge, donc si je me fais arrêter par un gendarme ou un policier, il va me mettre une amende de 135 euros parce que je suis en dehors d'un bar et que je suis en train de consommer du vin rouge. Vous appelez ça comment, en fait? On nous interdit tout. C'est de la dictature, c'est du fascisme. J'ai connu il y a une époque un monsieur, je ne donnerai pas le nom, non, je ne l'ai pas connu personnellement, c'était le même genre de bonhomme. Hein. Puis au départ, il avait écrit un super livre où il parlait de la famille, il parlait de l'école, il parlait d'un tas de choses. Et puis juste après, il nous a fait une deuxième guerre mondiale. Nous avons des corps disciplinaires pour les réfractaires. Limite, c'est ça. Les non-vaccinés, ça dérange des gens, mais ça, par contre, ça dérange personne. Enfin, quelques-uns quand même, comme moi. Voilà. Et je reprends un rap de Sniper qui disait « Et si tu te demandes pourquoi tu te racontes tant de choses immondes, bah c'est qu'apparemment, faut tout pour faire un monde. Il y a des mecs comme toi et des mecs comme lui. Il y a même des mecs comme moi. Ça donne le monde où l'on vit. » Mais, j'allais couper la vidéo, regardez, d'accord, alors. Voilà, voilà, la honte. La honte, c'est le poisson qui va le bouffer ça, mais c'est pas grave, ça ira directement dans vos estomacs. J'ai rien contre le monde il m'a rien fait, c'est l'humanité. J'ai honte, franchement, moi je deviens de plus en plus misanthrope. Allez dans le dictionnaire pour savoir ce que le mot misanthrope il veut dire. De plus en plus je le deviens. J'ai 45 ans, ça me dégoûte. Il y a un truc qui vient de me traverser l'esprit. Puis Jérôme qui est à côté de moi peut vous le dire, je te pose la question. Est-ce que tout est préparé dans ce que je dis ou est-ce que c'est improvisé? Non, c'est l'improvisation. Donc là, j'improvise. Je vous donne un exemple quand je vous dirai que de manière indirecte, on nous oblige à nous vacciner. Sinon, moi, je perds mon travail en restauration. Sinon, je ne peux plus aller faire de courses. Donc, imaginons, je vais vous faire une super métaphore. Celle-là, c'est du lourd. Imaginons, je suis patron. Je suis obsédé sexuel. Je suis un obsédé sexuel. Je vois une jolie jeune fille qui me plaît. Ah, jolie cul. Ah, je veux la démonter, elle. Je la prends dans le bureau. Je lui fais, écoute, c'est sympa, grande. Si tu couches pas avec moi, bah, je te licencie. En fait, la fille, la pauvre fille, elle a qu'une alternative, putain. Imaginons que ça devenait majoritaire, cette règle-là, cette loi-là. En fait, il faut que tu te fasses violer. Si tu te fais pas violer, on te licencie. C'est un peu quelque part la même chose. Je sais pas, j'ai ce que t'en penses de ma métaphore, là. C'est un petit peu ça, quelque part. Hein. Voilà. Pourquoi ils veulent pas prendre la responsabilité de dire, bon, on va le rendre obligatoire? Parce qu'ils veulent pas prendre la responsabilité de ce qui risque d'arriver dans quelques années. Les maladies auto-immunes. Je suis pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Là, très clairement, je croise mes doigts dans l'espoir que mes anticorps vont être assez puissants pour flinguer cette molécule spike de merde. Franchement, que j'ai pas envie d'avoir dans mon corps, mais qu'on va m'obliger à faire. Ça me donne envie de se regarder. Là, la gerbe, clairement. Bon, allez, là, on arrive au canal de la Somme. On y est, le pont, il est juste en face. Bonjour, monsieur, gendarmerie nationale. Passeport sanitaire, vous n'avez pas le droit d'être long du canal de la Somme, il y a trop de monde. Pouvez-vous me le présenter? Bientôt ça va être ça. Il va falloir présenter un passeport sanitaire pour se promener le long du canal de la Somme. Je vous cite une incohérence. Vous voyez, il est énervé monsieur, voilà. À Mers-les-Bains par exemple, il faut mettre le masque quand vous êtes sur l'esplanade en longueur là. Il faut mettre le masque. Mais par contre, dit que vous marchez sur les galets et que vous êtes sur la plage, vous pouvez enlever le masque. C'est-à-dire que sur l'esplanade il y a le Covid et sur la plage il n'y a pas le Covid. Vous vous rendez compte toutes les incohérences, toutes les débilités ou alors les...
Je le vois dans les magasins ou autres, les entreprises qui font dans le paraître. J'ai rien contre ces entreprises-là parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de s'y plier. Faut qu'ils achètent des rideaux plastiques, faut qu'ils fassent ci, faut qu'ils fassent ça. On fait tous dans le paraître. Mais quelque part, GG, le Covid-19, il a tué combien de la population mondiale? 0,03%. Sans compter tous les faux cas Covid. Il y a même des hôpitaux, je ne sais plus où, on a vu ça sur les réseaux sociaux, qu'ils expliquent qu'ils ont augmenté leur cas Covid de 40% alors que c'était complètement bidon. C'est juste histoire de pognon. On est tenu par quoi? On est tenu par les couilles à cause du fric. Pourquoi je vais me faire vacciner? Parce que je ne vais pas perdre mon argent. Parce qu'il faut que je paye mes charges, il faut que je paye mon crédit maison, il faut que je paye mon crédit voiture, il faut que je paye tout ça. Voilà comment on nous tient par les burnes, avec le fric, le pognon. L'être humain détruit la planète pour fabriquer de l'argent. Et avec l'argent, il répare ce qu'il a détruit. Non mais c'est un monde débile, on peut pas vivre simplement. On est toujours, on court aux richesses, c'est de la débilité, c'est... Bon, je pense que vous me comprenez, c'est quoi cette humanité, franchement? Pouf. Rien? Eh bien, Rire et Chanson et moi, on vous invite aux Arêtes de Fraix juste pour la soirée Rire Ensemble, avec plein de petits camarades très très drôles. Barbrasserie, regardez, sur une péniche, magnifique. Là, je me trouve à Aucourt où il y a le château. Ils font la fête du pain tous les ans. Je sais pas si ça va avoir lieu, j'en sais strictement rien. Nous, on va faire une petite halte ici pour manger un morceau. Ah, GG, on va s'arrêter là tranquille, se manger un bout. Qu'est-ce que t'as prévu? Moi, j'ai rien pris. Hein, hein? Une salade de légumes. Salade de légumes. Moi, j'ai prévu. Donc, je suis dans l'illégalité, donc je vais boire un verre de vin rouge. Hein. Donc, j'oublie pas que Jésus l'a dit, buvez-en tous, ceci est mon sang, donc je ne sais pas pourquoi on m'interdirait de boire du vin rouge. Il n'y a pas de rassemblement, c'est pour éviter les rassemblements. Bah ouais, si j'ouvre le vin rouge, il y a plein de monde qui va arriver pour boire. Mmh. Bah oui, le français est alcoolique, évidemment, c'est bien connu. Donc c'est pour ça qu'ils l'interdisent. Mon Dieu. Moi qui pensais, sans vouloir être péjoratif, je vais être péjoratif, je le sais. Moi qui pensais qu'on pouvait pas avoir pire que Monsieur Hollande. Moi qui pensais. Bah j'ai fait que penser seulement. Hein. Voilà, très clairement. Écoutez. Ils disent qu'on est en démocratie, donc j'ai la liberté d'expression. J'ai insulté personne, j'ai manqué de respect à personne jusqu'alors. Dans tous les commentaires que j'ai tenus. C'est ma façon de penser. Je l'ai dit à la vue des canards. Oh canard! Moi je vais manger des canards. Elle serait capable de se jeter dans l'eau pour aller chercher, elle l'a déjà fait. Hein. Croyez-moi, elle l'a déjà fait. On y va. Voilà où je me trouve. GG, elle arrive et nous on va se poser juste ici. Pour manger. Donc à chaque fois que je me trouve ici, je retire mon chapeau pour rendre hommage à une personne que j'ai pas connue. Donc à chaque passage, de toute façon, je retire toujours mon chapeau parce que grâce à ces personnes-là, enfin voilà quoi. Je vous montre. Fut tué par les nazis, André. Voilà, je vous laisse lire. Le 2 septembre 1944. La date de naissance de mon père d'ailleurs. Mon père, il est plus de ce monde, il est né le 1er mai 1944. Voilà. Bon, on va casser la croûte, GG. En plus, en allant, on est bien là. Bon appétit, GG. Truc froid, tranquille. Moi, j'ai pris du petit sandwich, je peux faire avec ça. Puis une petite thermos de café. Garde, sans mon café comme il sent bon, GG. Ah ouais, putain. C'est quoi? Du jus de raisin. C'est du jus de raisin, on a le droit. Hein. Super bon jus de raisin. Délicieux. Salut les amis, salut les toutous. J'espère que on va pas nous obliger à nous vacciner les nanis, moi, parce qu'on peut être porteur aussi du virus. On sait jamais, des fois qu'ils ont une idée débile. Hein. Voilà, moi, mon papa gnagna, il mange. Mais là, il y a les canards qui m'intéressent. Hein. Bon, on a fini de manger tranquille, le soleil est au rendez-vous, le soleil au zénith. Canal de la Somme, magnifique. Bon, GG, t'as bien mangé? Ouais, ouais. Ton pied, ça va? Ouais. Tout doux. Donc, continuons ce reportage du monsieur Voilà. Randonnée, reportage à la Covid. Donc, je voudrais parler des infirmières. Les infirmières que tous les soirs à 19h, les gens applaudissaient. Ah, les anti-infirmiers et infirmières, ils sont gentils, ils risquent leur vie pour nous. Ah, il y en avait des pauvres même qui venaient bosser avec le Covid et puis les hôpitaux fermaient les yeux. Et pourtant elles allaient bosser, vous voyez le courage qu'elles avaient, le courage qu'ils avaient également. Et aujourd'hui bientôt on va les montrer du doigt, tout ça parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Vous imaginez? Le monde d'hypocrites, clairement. GG, on vit dans un monde où l'hypocrisie est la norme. Bah oui, je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes faux cul avec les personnes qui sont en face de vous, que vous dites pas ce que vous pensez,
Ils vous disent, oh, t'es bien, ou tu mets un like sur les réseaux sociaux ou autre, tout ça, c'est. Vous êtes bien vu. Mais quand vous commencez à dire la vérité, là, vous êtes mal vu. Voilà. On vit dans un monde hypocrite. L'hypocrisie est la norme. Les gens les mieux vus, socialement, c'est les hypocrites. C'est con à dire. Je pense que vous. Gégé, je pense que tu comprends le message que je veux passer. C'est l'hypocrisie qui est la norme. C'est con. Moi, je suis un petit peu trop franc des fois, puis bah, ça plaît pas, même dans la famille. C'est pas grave. On me dit, oh, Olivier, t'as grave changé. Bon, j'en passe. Mais je suis vrai. Je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui est honnête que d'avoir un faux cul. Donc je tire mon chapeau aux infirmiers et infirmières, à ceux qui ont courage de pas se faire vacciner. Moi j'ai pas le choix, ça me fait chier, je vous dis, j'ai pas le choix, ça m'emmerde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais me retrouver Clodo SDF, c'est vous qui allez me nourrir, qui allez. Vous voyez, c'est compliqué. Franchement GG, c'est compliqué la situation dans laquelle on nous met. C'est waouh, c'est du lourd, c'est franchement du lourd. Bon, ça n'empêche pas qu'on a des beaux paysages. On va en profiter parce que bientôt le pass sanitaire va être obligatoire ici. Et oui, parce qu'on va contaminer les graviers. Oh, le petit gravier, regarde, attends, il y a le Covid là. Paf, paf, attends, je l'ai tué. GG, il est là, regarde. Paf, je t'ai tué. Covid de merde. Arrête, GG, il y a le Covid dans la fleur. Ah merde. Ne respire pas, tu vas être contaminé. Tu risques ta vie. Bon, GG, bientôt t'as conscience qu'ils vont rendre le test Covid obligatoire aux entreprises ou passeport, même là où tu travailles. Imaginez que bientôt ça va être comme en Chine. Ils vont vous mettre un coton-tige dans le trou de balle pour voir si vous aviez pas le Covid. Parce que, en cas de te mettre dans le trou du cul, en fait tu vas montrer ton trou de balle à ton chef. Jérôme, dépêche-toi de te mettre à deux genoux. Tu tousses en même temps pour que ça rentre. Hein. D'accord, tu tousses, il va tousser. Paf, le test il te rend dans le cul. Après, regarde, au bout d'un quart d'heure, c'est bon, tu peux aller travailler, Jérôme. Voilà. J'aime le monde de débile, putain, mais de toute façon, là, je vais y aller, je vais faire de l'autodérision, puis je vais me marrer, c'est débile, c'est pas drôle, je sais, mais c'est franchement, faut y aller, après, c'est un plaisir. On va tous aller dans ton cul, Jérôme. Et peut-être dans le mien aussi. Est-ce que tu sais dans quelle commune on se trouve, GG? Avec un P. Pont-Rémy. On est à Pont-Rémy. J'ai le petit coin, puis on va faire prendre la main à Lélie pour la rafraîchir. Parce qu'elle tire la langue, donc le toutou tire la langue. Pourquoi? Parce qu'il transpire pas comme nous. Il a besoin, par sa langue, où le sang circule à l'intérieur, de faire circuler du sang frais, tout simplement à l'intérieur de son organisme. Voilà pourquoi, quand il fait chaud comme ça, là ça va, on est bien. Le soleil n'est pas méchant. Le sol, j'ai touché, il est correct. Voilà pourquoi le toutou a besoin de ça. Ça refroidit son organisme. On y arrive. Donc me voilà sur Pont-Rémy. Donc comme entre youtubeurs, évidemment, faut être solidaire. Je vais faire un petit peu de pub pour un youtubeur, je ne le connais pas. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, apparemment il adore la pêche. Comme GG d'ailleurs, GG comme toi. Hein. Voilà. Vous l'avez. Bon allez, moi je continue ma balade. Ah, c'est compliqué de filmer, puis en même temps, vous voyez, parce qu'il y a des chiens, donc allez, regardez, moi tout est filmé en direct sur ma chaîne. Donc là c'est le monsieur pour sa chaîne YouTube, bonjour. Donc vous pêchez un aimant, c'est ça? Oui. D'accord, bon ben voilà. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour. En fait, le monsieur avec un gros aimant récupère ce que vous balancez dans le canal de la Somme. Voilà. On va faire prendre un petit bain à Lady parce que je voulais pas montrer. Allez Lady. Allez, dans l'eau, là, allez. Arrête de boire l'eau, ah, c'est la vie, là. Allez viens, les gars, fais du grain, ça va bien ma chérie, viens. Ah, ça fait du bien. Voilà, ça l'a refroidi, ça fait du bien. Vous pouvez faire ça, tiens, quand il fait chaud, là ça va, il fait pas tellement chaud. Pour refroidir son corps, c'est très bon pour elle. Au contraire, le chien ne transpire pas. Faut le savoir. On est au mois de juillet et très clairement, j'ai là la Picardie, elle est mais d'une verdure, c'est incroyable. Hein. C'est joli, c'est beau, mais n'oublions pas que c'est grâce à la pluie. Voilà, c'est grâce à la pluie. J'oublie pas ce que dans le sud de la France, Espagne, ce qu'ils se sont pris dans la tronche. Les températures extrêmes à 48, 50, 52 degrés pour d'autres pays, c'est. Franchement, je joue pas de ça ici, c'est horrible. Là, franchement, il y a un problème avec le climat, c'est clair, on le sait, il faut faire de le prévenir les scientifiques, mais on les écoute pas. On continue. Enfin, que voulez-vous? On subit tous le système. Vous, moi, tout le monde. Lady, c'est pas bien. T'as pas lu le panneau, ma chérie? Baignade interdite. Ah, on savait pas. Hein. J'espère qu'ils vont pas mettre une amende à Lady, il faudra qu'elle aille travailler. Bon. Je fais de l'humour depuis tout à l'heure, évidemment, vous avez compris. Canal de la Somme, on est toujours bien, regardez comment c'est magnifique, franchement. On a envie de se jeter dans l'eau. Ah GG, vas-y jette-toi dans l'eau. Ah, ce qui est bien, c'est quand on va arriver sur l'autre côté de la rive du canal, côté droit, tribord. Ça dépend dans quel sens vous vous trouvez, évidemment. Et là, on va être à l'ombre. Et Lésia va apprécier ça.
Ouh, mortel. Les GG va avoir froid. Donc, parle bien Olivier. Donc l'arrivée se fera à la commune de Long. Gégé, il souffre un peu du pied. Je vais dire, les euros, ça va bien. Les vététistes, souvent des vététistes. Ça n'est pas autant que ça avant. Maintenant, il y en a plein depuis qu'ils ont réaménagé les abords de la Somme. On est vraiment bien Gégé, là. Donc, Gégé, est-ce que le tabac qu'on autorise en France et dans le monde à consommer, est-ce qu'il tue ? Ça tue des millions de gens. Hein. On n'empêche pas les gens de fumer. L'alcool tue ? La malnutrition aussi, pourtant le vaccin c'est la nourriture. Il n'y a pas un truc bizarre avec leur Covid, hein, 0,03%. C'est bizarre. On nous prend pour des cons, clairement, oui, il faut le dire. On nous prend pour des cons. Et dit à la Lombe, elle est heureuse là. Un tel que de marcher sur un truc comme ça. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que ça va pas s'entendre dans la vidéo, GG. Moi je rêve d'un monde où ne régnerait pas la division, où régnerait le partage. On ne montrerait pas son voisin du doigt, on serait capable d'être là pour l'aider et sans attendre quelque chose en retour, seulement que lui vienne un jour t'aider le jour où tu as besoin de lui. Un jour Gégé l'avait besoin, Jérôme, tu te souviens, pour ta cheminée, je suis monté sur son toit, je te l'ai fait sur voilà, et je lui ai dit ok, mais par contre pas de fric entre nous, je vais te m'offrir une petite bière, c'est bien, puis le jour où j'aurai besoin de toi, tu me rendras un service. Moi je vous invite, vous entre voisins, que vos voisins que vous montrez du doigt, que vous jugez et que vous connaissez même pas. Bon, c'est sûr qu'il y a des cas, il faut avouer qu'il y a des voisins, on n'a pas envie de les avoir, quoi. Faut être honnête, hein, un peu de faucheton. Donc, aidez-vous les uns les autres, ne vous divisez pas, parce qu'actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Diviser pour mieux régner, ça va être les vaccinés contre les non-vaccinés. Sérieux, c'est quoi ce monde? C'est le monde qu'on est en train de choisir actuellement. Moi, je ne l'ai pas choisi, hein. Je suis comme vous, je subis le système. Ça tient qu'à nous de changer tout ça. Ah, voilà, quoi. J'ai ton pied, ça va? Ouais. Ah, il kiffe pas, là. C'est là, gauche ou droit? C'est à gauche. Pas de bol, ça fait mal. Allez, super. Ouais. Bon, faut bien rigoler, hein. Ouais, des vélos, des voitures, pourquoi pas, ouais. Bon, on est au pont de Fontaine-sur-Somme. La dernière étape, la commune de Long. Y'a quoi ma fille? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle en a pris quelque chose puis elle grogne. Ah, juste là, je sais pas, y'a quelque chose là-dedans. Elle le voit. C'est peut-être une vipère aussi, hein. Là y'a des vipères dans notre région. Hein. Bon là on se rapproche de la commune de Long. GG, la diète c'est ça? Hein? T'as la diète à la commune de Long? Ouais. Un peu quand même, on en est pas loin, on est à 1,5 km devant quoi. Bon, on va clore la vidéo, GG. Hein. Mm-hmm. Je pense que j'ai pas mal blablaté. Donc voilà, tranquille. Donc je vais offrir un café à GG. Donc j'ai donné mon point de vue, j'ai donné mon avis. Donc je cherche pas à vous l'inculquer, je vous donne seulement ma façon de penser. Donc en tout cas, c'est fait. Donc tous de monsieur, voilà, plus pour une future vidéo. Dieu seul sait où elle nous mènera et Dieu seul sait le futur qui nous attend, où il va nous mener. J'en sais strictement rien. Pour moi, c'est sombre. J'ai le droit d'être pessimiste, hein, ça regarde que moi, enfin voilà. Bisous, prenez soin de vous, et à plus pour une future vidéo. Donc ce genre de vidéo reste exceptionnel parce que ma chaîne YouTube n'est pas fait pour ça. Allez, bisous, prenez soin de vous. Salut. On terminera là-dessus. La petite lady. Oh ma chérie, tu vois, chérie, viens, papa, gnagnan. Salut les amoureux, gnagnan. Allez, salut.